savaient plus comment travailler et qui commençaient à mourir de faim. Donc il leur a dit, venez, on va avoir les machines pour vous. On vous donnera des terres pendant un moment, après on va s'arranger, ça sera lourd. Et puis voilà, enfin. Et c'était finalement un bon deal parce qu'ils ont pu partir là-bas. Il y en a eu beaucoup qui sont restés en Argentine. Des Croates, surtout en Argentine, et surtout au Chili, dans le nord et dans le sud, l'extrême sud, en Patagonie, à Punta Arenas, pour ceux qui s'y tiennent. Et le papa de Roger, il était tailleur de pierre, il était croate et il habitait avec toute sa famille à l'île de Brač, en face de Split. Mon grand-père, oui. Le grand-père, c'est ce que j'ai dit. Il me semble toutefois que c'est ce que j'ai dit. Enfin, on va chanter la chanson.